Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Je saurai que tu m'aimes si mes ennemis
tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, amen. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils. Il est avec nous, le Seigneur.
De l'épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur. Elle veut lui consacrer son corps et son esprit. Viens, épouse du Christ, reçois la couronne que Dieu t'a préparée. Viens, épouse du Christ, reçois la couronne que Dieu t'a préparée. Le Christ a loué ceux qui se consacraient de corps et d'âme au royaume des cieux
bénissons-le de tout notre cœur. Tu as voulu pour épouse une église vierge et pure, rends-la irréprochable et sainte. Ô Christ, notre salut, Jésus, notre lumière. Les vierges sages ont couru au-devant de toi avec leurs lampes. Donne aux femmes qui te sont consacrées de te rester fidèles. Tu donnes à ton Église de garder sa foi intègre et pure. Accorde cette même grâce à tous les chrétiens. Ô Christ, notre salut, Jésus, notre lumière. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Bienheureuse Rosalie Perdue. Que son intercession soit notre joie. Ô Christ, notre salut, Jésus, notre lumière. Tu accueilles les vierges sages au festin des noces. Reçois avec bonté ce que tu as appelé dans ta demeure du ciel. Ô Christ, notre salut. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Dieu qui a mis au cœur de la bienheureuse Rosalie rendue le désir du royaume et de sa justice par la pratique d'une charité sans faille, permet que, soutenu par sa prière, nous ayons la joie d'aimer toujours davantage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.